On joue avec tout le monde. On est 4, 4 joueurs à jouer ensemble. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Brawl Stars. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on fait pour jouer en équipe au Showdown. Alors, on est parti. Vous pouvez voir ici le mode de jeu Showdown. Il y en a plusieurs. Il y en a déjà un que j'ai rempli. Et on va prendre un perso. Quel perso est-ce que je vais choisir? On va prendre un bon perso. En général, il y a Barley qui est très très fort au Showdown. Et je vais vous expliquer la petite astuce pour pouvoir jouer avec les autres sans tricher, les amis, sans tricher. Je vous rappelle que c'est un mode Hunger Games, hein, c'est le dernier qui survit qui gagne. Et il y a moyen de trouver des coéquipiers, de communiquer avec les joueurs pour leur montrer qu'on a envie de jouer avec eux. Alors, ici, on va ouvrir, on ouvre les coffres. Allez, hop. Allez, allez, allez. Voilà. On a deux élixirs, on va essayer de trouver un petit copain. Allez, on va essayer de trouver un petit copain. Allez, mon petit épipe. Eh, non, mais m'attaque pas. Mais m'attaque pas, pourquoi tu m'attaques? Ah, imbécile. Oh, il a rien compris lui, hein. Nita, on va essayer avec Nita. On va essayer avec Nita. Ah, je trouve personne. J'ai ma capacité, ça, ça. Et les autres, ils peuvent le voir, hein, que j'ai ma capacité. Ah. Voilà, il a compris, il a compris. C'est bon, ça. Voilà, il m'a piqué. Oh, oh, le salaud. Bon, soit, c'est pas grave, on va quand même jouer avec lui, hein. Vous voyez, on tourne tout ça même, on tournicote, on fait les petits tours de manège, on tournicote. Le gars, il fait la même chose, ça veut dire qu'il a communiqué avec nous et qu'il veut jouer avec nous. Et comme ça, à deux, on a beaucoup plus de chances de survivre dans ce monde brut. Voilà. Et ça marche bien, ça marche vraiment bien. Allez, on n'est plus que 4 dans le jeu. J'espère qu'il va pas me dégommer, hein. Ah, allez. Nita, on va essayer d'avoir Nita. Oh là là! Il reste en bulle, très dangereux. Ah, mon coéquipier est mort. On va récupérer son élixir. Hein. On va quand même pas gaspiller ça. Hein. On a récupéré son élixir. Il reste plus que 3 joueurs. Eh ben oui, les amis. Hein. À un moment donné, eh ben, soit le coéquipier, c'est quelqu'un qui le tue, soit c'est vous qui le tuez. C'est la dure loi de la jungle. Et c'est comme ça qu'on fait pour gagner. Alors, je me méfie parce qu'il y a un petit boule caché. Il est caché, il est là. Je l'ai vu, hein. Oh, je l'ai vu, hein. Oh, je me suis fait prendre un sandwich. Oh, le sandwich éclaté par des joueurs. Ah, c'est comme ça. Mais au moins, en jouant en équipe, on a réussi à arriver 3e. Encore une petite partie, on recommence, et là, on va changer de perso. Il y a boule, hein, boule, boule ou bulle, moi j'aime bien dire boule. Allez, Bolke, on va prendre Bolke, on va jouer avec lui, et le but du jeu, ici, on va encore essayer de trouver un équipier, ramasser un maximum d'élixir et de survivre dans cette jungle. Allez, déjà d'abord, pour commencer, il faut au moins se ramasser une ou deux caisses d'énergie, hein. Voilà. J'aimerais bien avoir un petit Barley avec moi. Petit Barley, ce serait quand même top, ça. On tournicote. Il tournicote aussi. Yes, on peut jouer avec lui. Allez, on peut jouer avec lui. Voilà, vous avez vu, hein. On tournicote, ça veut dire qu'on joue ensemble, les amis. Et on devient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort en jouant ensemble. Eh oui. On a beaucoup plus de chances de survivre. C'est ça. Comme ça qu'il faut jouer au Showdown. Il faut être malin. Ce sont les plus malins qui survivent dans cette jungle. J'espère que mon El Primo, il est quand même fort. Hein. On va quand même essayer de trouver une victime à taper ensemble. Hein. Ça peut être marrant. Hein. Hein, ceux qui jouent tout seuls, là, ils se sentent mal. Hein. Ils se sentent mal parce que comment vous voulez faire 2 contre 1? C'est pas possible. Hein. Par contre, il faut pas perdre notre joueur de vue. Mais il est où, mon petit joueur? Il est où? Ouais, je me sens mal. Là, j'ai perdu mon joueur, je suis tout seul. Il a sa capacité, l'autre, hein. Je le vois, il a sa capacité, hein. Il faut se méfier, hein. Il faut se méfier. Ah, je suis tout seul.
Là, malheureusement, pour récupérer mon coéquipier, ça va être dur. J'ai même pas regardé comment il s'appelait. Hey, les amis, regardez comment il s'appelle votre équipier pour les retrouver par après, parce que sinon c'est compliqué. Tournicoton, tournicoton. Ah, elle a mis sa mitrailleuse. Oh là là, elle est pas cool. Il m'a tiré dessus, hein, il continue à me tirer dessus. Il veut pas faire équipe avec moi. Il y en a aucun qui veut faire équipe avec moi. Non, j'ai foncé dans un le primo. Pas de chance. Ah, quatrième. Oh, c'était dur. Hein. Oh, c'était dur. C'était vraiment une partie difficile. Allez. Ah, on a chaud là. Alors on a chaud. On se fait un petit dernier et là on va se prendre Al Primo et on va essayer de trouver un coéquipier. En général, je trouve perso quand vous avez un personnage faible, enfin qui a peu de points de vie, vous avez plus facile à vous trouver un coéquipier parce qu'il doit se dire le gars, ah ouais, il est plus facile de l'éliminer à la fin. C'est vrai que ça marche mieux. Mais bon, ça peut marcher avec tous les personnages, hein. Je vous le rappelle. Et n'oubliez pas, vous rencontrez quelqu'un, ne lui tapez pas dessus directement, surtout au début du jeu, puisque c'est là qu'il faut trouver un coéquipier. Tournicoté. Ah ! Oh, il est pas cool. Je vais me le faire, il est pas cool. Non mais allez quoi, allez. Je vais montrer comment jouer en équipe et je me fais exploser par des gens qui comprennent rien. Il faut se dire aussi que... Allez, je veux dire un tiers des joueurs sur Brawl Stars sont courants de cette astuce. Hein. Allez, on va essayer de retrouver un petit coéquipier à Primo. Je vais quand même essayer de me récupérer une case énergie avant là. Voilà, on a une case d'énergie. Donc on se méfie des autres herbes. Bon, je joue avec deux chili. C'est pas génial ça. Eh, hey, mais il faudrait quand même se tirer dessus à un moment donné. Hein. Eh, hey, on fait équipe avec tout le monde. C'est quoi ce game? On joue avec tout le monde. On est 4 joueurs à jouer ensemble. Oui, ils vont avoir du mal là, à gagner. C'est quoi ce showdown là? Eh, hey, allez. Allez, on joue en équipe. Allez, 5. Allez, 5 ensemble. Alors, on s'aime tous. Allez. C'est à quel moment qu'on va se dégommer? C'est à quel moment qu'on va se dégommer là? Moi je vais quand même rester ensemble. Ah là ils sont mal barrés. Hein. Ah, là, les autres, le gars qui se retrouve tout seul alors qu'on était 5, ils sont mal barrés. Bon, on s'est séparés, c'est dommage. Je sens que ça va plus être la même chose. Ah, ça commence à diminuer. Ça commence à diminuer, on n'est plus que 4 les amis, on n'est plus que 4. Je garde ma Shelly près de moi. Je garde ma Shelly près de moi, comme ça on peut jouer ensemble. J'ai dégommé Shelly et j'ai dégommé Primo, premier. Yes. Hey, c'est pas beau ça? Vous avez vu comment on joue en équipe? Le truc de malade là. Waouh, 5
C'est censé être joué en mode survivor, hein. C'est vraiment être censé le game où tu joues tout seul, là tu te caches dans l'herbe, et après tu dégommes quand quelqu'un s'approche, essaie de survivre. Là, on a tous joué ensemble. Ça c'est marrant. C'est la première fois que je joue avec autant de joueurs en même temps, c'est assez marrant. Maintenant, je pense que vous comprenez un peu mieux comment ça se fait qu'il y a parfois autant de joueurs qui jouent ensemble. Là, c'est cette manière de communiquer, ça s'est fait tout seul, hein. Là, voilà, ça s'est fait tout seul comme ça. On a vu que des joueurs réagissaient de cette manière-là, d'autres ont imité, on tournicote, les autres tournicotent, et après on joue en équipe, et voilà, et on dégomme ceux qui jouent pas en équipe. Et après, l'équipe se disperse et on se tape dessus. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, et n'oubliez pas le petit pouce vers le haut, de vous abonner si vous avez aimé, et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo.